Ça fait un peu bizarre de se lever dans une voiture. Vous avez déjà dormi dans une voiture? Eh oui. Ça arrive. Lendemain d'une cuite, on peut pas conduire. Enfin, voilà quoi. Je dis ça comme. J'imagine que ça se passe comme ça dans la vie. Ah, parce que de toute façon, je sors pas. De toute façon, il y a des virus à l'extérieur. Bon, bienvenue à tous. Va falloir que je retravaille quand même mes intros, elles sont un peu, elles sont de plus en plus bizarres, j'ai l'impression. J'ai l'impression que plus je joue à ce jeu, et plus ça va mal dans ma tête. Donc, nous sommes de retour. Nous sommes à la grange. Donc, la dernière fois, nous sommes repartis du mont Timberwolf. Donc, on était là-haut. Ici. Ça a pas marqué là. Je crois que j'avais fait la réflexion la dernière fois. Ça a pas marqué la corde. Ouais, non, c'est là. Donc, on est reparti. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de vent, rien. Donc, on va pouvoir partir. C'est cool. Donc, on était reparti ici. On a refait toutes les. En gros, on a refait toutes les caches qu'on avait faites précédemment pour aller au mont Timberwolf. Donc, on est reparti. Carrefour Thompson, non, on va appeler Thompson, ouais. Comme l'entreprise. Donc on est reparti à Thompson et tout ça, on a tout récupéré ce qu'on voulait. On est assez lourd, je crois, on est quasiment à 50 kilos. Est-ce que on a un moyen vraiment d'être moins lourd? Honnêtement, non. Donc on va marcher lentement, on va vraiment marcher lentement à l'extérieur. Ça va être un petit problème s'il fait froid. Excusez-moi, j'ai pas mal de problèmes de gorge en ce moment. Aussi, ça fait très longtemps, enfin ça fait 2 semaines à peu près que j'ai pas touché le jeu. Parce que, bah, problème de gorge. Et pas mal aussi de problèmes internet, comme d'habitude, ça change pas, ça fait au moins 3 ans, c'est la même connerie. Mais notre prochain objectif, ça va être la ferme. C'est parti. Parce que normalement, je fais toujours des épisodes à l'avance, et surtout maintenant, depuis... ça c'est de l'eau... Non, impropre, c'est bien ça. Depuis... Ah, il va bientôt faire nuit, en fait. Ok. Okay. Oh, c'est pas grave. Je crois que la dernière fois, j'avais dit on va pas laisser passer la nuit, mais on va y aller. Par contre, on est bon au niveau nourriture. Est-ce qu'on avait laissé de la nourriture... à la maison? Oh, c'est pas grave, on y va, allez, let's go. Donc... On est là, on doit faire ligne droite et on va à la ferme. Et on va se débrouiller là-bas. On pourrait emporter de la nourriture qu'on a ici. Dans un sens, j'ai envie de le faire peut-être. Juste au cas où, parce que je sais pas si on a de la nourriture à la ferme. Ça va, en plus il fait très bon, donc c'est pas un problème d'être lourd. On va juste prendre un steak. Ah, très bien. Très très bien. Très parfait, parfait. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas touché le jeu, je fais toujours des épisodes en avance, et surtout que depuis que j'ai le système d'être un membre, vous pouvez devenir un membre de la chaîne, tout est dans la description si vous êtes intéressé, vous avez des vidéos en plus et tout ça qui sont strictement pour les membres et tout, et des streams aussi qui sont strictement pour les membres si vous êtes intéressé. Et il y a aussi le moyen de voir les épisodes en avance, en fait, d'avoir toute la playlist débloquée, de pas avoir besoin d'attendre le week-end. Donc du coup, je fais pas, des fois beaucoup d'épisodes en avance, exprès déjà pour pas tomber à court, parce que des fois, hein, on sait pas ce que la vie va nous apporter. Hein, maintenant, il y a quelques mois, elle nous a apporté un virus mondial qui a bloqué la planète entière. Ouais, on sait pas ce qui peut arriver hein, demain, hein, on sait pas. Donc... Donc c'est pour ça que j'aime bien faire des épisodes en avance. Mais c'est vrai que là j'en ai pas fait du coup, donc ça m'embête un peu. Je crois qu'on a un loup pile devant, à moins que ce soit un petit rocher. Ça bouge pas trop, peut-être un rocher. Genre là. Je sais pas trop, on va voir. On pourrait peut-être un peu sprinter, dormir à la ferme. On a un cerf sur le côté gauche, on a un vrai loup sur le côté droit par contre. Ouais, on en a deux, oui, c'est bien ça. Donc on va essayer de se déplacer de ce côté-là. Aussi récemment, bah c'était aujourd'hui en fait, il y a eu un stream pour EFT. Enfin aujourd'hui, c'est sûrement vieux pour vous, si vous regardez la vidéo plus tard. Donc Escape from Tarkov, encore une fois. Je sais que je compare beaucoup ce jeu... Enfin, on va dire que je compare pas, mais je prends des idées en fait. Parce que ça se veut très survie et tout ça. Et ils ont...
Et il y a un système en fait d'encombrement qu'ils avaient installé en fait dans le jeu par rapport à votre sac et tout ça, au poids. Donc très très proche de EFT par exemple, très très proche de The Long Dark, c'est un peu la même chose, hein. Vous voyez qu'on peut pas vraiment courir parce qu'on est en surpoids. Et beaucoup de gens en fait, après ça, donc... c'est cette touche pour la marche auto. En fait, quand il y avait des combats pour être plus mobile et tout ça, les gens allaient dans l'inventaire, en gros, ils faisaient... en gros, ils faisaient ça, et ils faisaient tomber leur sac, en fait. Ce qui est... Techniquement, c'est très intelligent, parce que comme ça, du coup, vous n'êtes pas ralenti par le surpoids et tout ça. Vous pouvez combattre, une fois que vous avez combattu, vous allez récupérer votre sac et tout ça. Et j'en ai parlé énormément de fois dans The Long Dark. Ça serait bien de pouvoir faire la même chose, en fait. Et je pense qu'il pourrait... Honnêtement, j'ai vraiment plein d'idées pour l'inventaire. Après, moi, je dis moi parce que des gens m'écoutent. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres gens qui ont encore des meilleures idées et encore plus d'idées que moi. Mais c'est vrai qu'en y pensant 5 minutes, j'ai quand même pas mal d'idées pour refaire l'inventaire. Et je pense que ça serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fun. On va dire dans ma tête. Dans ma tête, l'inventaire serait beaucoup plus fun à jouer. Et le jeu pourrait devenir quelque chose d'encore mieux. Et tout ça pour dire que... donc dans la nouvelle mise à jour de Escape from Tarkov, maintenant il y a une touche en fait directement pour jeter son sac à terre. Vous voyez là, c'est une animation quoi. Vous n'allez pas dans votre inventaire et vous faites pas genre jeter sac au sol. Là maintenant il y a une touche exprès qui va être là pour ça. Et les développeurs ont dit que ils ont beaucoup aimé en fait que les joueurs commencent à faire ça. Parce que ça montre en fait, on va dire, l'ingéniosité d'un joueur qui veut survivre et tout ça. Donc c'est pour ça qu'ils se sont attardés sur le système et ont fait vraiment une touche et une animation pour vraiment jeter le sac. Et ce qui est marrant, c'est que vous jetez le sac en fait devant vous, genre à deux pas à peu près. Donc du coup ça permet, je sais pas, imaginer genre jeter le sac par la fenêtre et tout ça, ça rajoute en fait pas mal de gameplay, d'ingéniosité encore une fois par rapport à ça. Et là j'ai envie de dire, si jamais on se fait courser par un loup, on fait quoi? Tout ça pour dire, parce que c'est une longue histoire, hein. Mais de toute façon il n'y a pas grand chose à dire, juste on avance dans le froid. Donc je trouve des conversations, ok. Qu'est-ce qu'on fait si jamais on se fait poursuivre par un loup? On fait quoi? On va dans l'inventaire, je fais comme ça, je fais ça par poids et tout ça, et après je balance les trucs les plus lourds. C'est ça le problème. Je pense que ça c'est un problème de The Long Dark. Et ça serait bien de pouvoir en fait jeter son sac à terre. Et du coup il faudrait peut-être une sorte de carquois ou un emplacement spécial qui est pas dans le sac, par exemple pour porter les flèches. Comme ça vous pouvez continuer à porter des flèches et à combattre. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on pourrait faire par rapport à l'inventaire. Et ça serait très très intéressant, je pense. Ça rendrait le jeu un peu plus dynamique et tout. Franchement, ce serait cool. Ok, donc on est à l'intérieur. J'ai pas vu de... Ça, on l'a lu. On a encore un peu de bois. On a les fétous. On va peut-être en prendre un. On a les fétous. C'est bien. Là, on a des boyaux séchés. Est-ce qu'on a besoin des boyaux séchés? Faites voir un peu. On a ça. Non, on n'a pas de peau en plus. J'ai pas regardé, mais j'espère qu'on n'a rien oublié. Hein. Je vais pleurer si on a oublié un truc. On va sortir juste pour voir s'il n'y a pas de la nourriture qui traîne. Ah, mais vous voyez, le coup du sac, comme ça pourrait changer le gameplay, ça pourrait être très intéressant. Parce que même moi, je passe mon temps des fois à poser des objets, en fait, les objets lourds. On peut descendre. Je passe mon temps à poser les objets lourds quand on est dans un camp. On va peut-être laisser passer la nuit, je pense. Je sais pas trop ce qu'on pourrait faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant la nuit, à part dormir? Il n'y a rien à faire, vraiment. Mais vous voyez que tout ça, à chaque fois, on passe du temps à le faire, et c'est un peu chiant, en fait. Ah, j'ai déjà un fétou, j'avais oublié.
Voilà, maintenant on est beaucoup plus mobile. Vous voyez? Ça serait super, super intéressant, un système comme ça, où on pourrait déposer genre un certain type d'équipement, ou alors, encore une fois, retravailler le menu, hein, tout simplement, retravailler le système d'inventaire, hein. Avoir des compartiments et tout ça. Hein. Pouvoir poser les choses lourdes directement sans problème, genre avec une seule touche, ou alors facilement. Ça serait vraiment très, très intéressant. Et j'avoue que beaucoup de gens ne connaissent pas Escape from Tarkov. Ça plaît pas à tout le monde, je l'ai déjà dit 50 000 fois. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui... Dans les commentaires, qui me disent... J'ai eu quelques commentaires me disant... Tu joues bizarrement, des fois, à The Long Dark et tout ça. Genre, tu t'arrêtes, tu te mets accroupi, t'écoutes. Ou alors, je sais pas comment tu fais pour savoir qu'il y a un loup là qui arrive et tout. Parce que moi, je ferai pas attention, moi, j'avance et tout. Et c'est vrai que ça aide énormément, en fait. On va ressortir, on va voir s'il y a des choses à l'extérieur. C'est vrai que avoir joué à Escape from Tarkov, ça m'aide énormément pour ce jeu, ce gameplay, en fait. Ce côté survie. Genre d'attendre, de s'arrêter d'un coup et de... Genre de prendre ce qui se passe autour de vous, vous voyez, genre prendre genre 5 minutes à vraiment comprendre ce qui est en train de se passer autour de vous. Là on a des loups. Ou même les gens pensent pas souvent à... J'avais eu un commentaire, c'était il y a quelques semaines, sur une ancienne vidéo, où les gens étaient là. C'est vrai que moi je pense pas à poser les objets et tout, quand j'arrive à un camp je garde toujours tout sur moi. Et c'est vrai que ça me gâche le gameplay des fois, parce que bon, bien sûr... Qu'on garde tout sur soi, on est lent, c'est chiant, on a du mal à avancer. Enfin voilà quoi. On pourrait aller là-bas aussi. On pourrait s'approcher le plus possible. J'ai un peu envie de me balader honnêtement, mais je pense pas que ça vaille le coup. Ouais, il y a du vent et tout. Non. Je pense pas que ça vaille le coup d'aller là-bas. Je sais, comme j'avais dit, il y a peut-être des loups, des ours et tout, mais ça va être un peu la merde. Je pense qu'on peut aller dormir là-bas. Il n'y a rien en fait dans la maison. Ah oui, j'avais pas dit que je voulais récupérer du tissu. On a peut-être du tissu. On va peut-être déchirer des rideaux et puis après on se casse. Mais voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et c'est vrai que jouer à EFT m'a bien aidé. Oh, c'est super sombre. Ah, oh, fait chier. Rideau. Attendez. Je vois plus rien. Oh putain, chier. Je veux tout récupérer ce qu'on a mis par terre. Je crois qu'on a tout, 49. Oh mon dieu, ça y est, c'est noir complet. Parce qu'après, je peux me repérer au... Avec les fenêtres. Je sais même plus la disposition du... Je voudrais aller prendre des rideaux. Voilà, comme ça. On prend du tissu et après on se casse. Mais il faut que j'arrive à trouver la porte de sortie, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a dans la matière? On a 12 de tissu. Est-ce qu'on en a besoin de plus? Je sais pas. On n'a pas d'eau. Enfin, si. Plus maintenant. Attendez, si on cherche encore un peu des tissus, puis après on va dans la grange et on dort dans la grange. Attendez, alors si on est là... Je suis en train de faire de la marche arrière. Quoi ?
quitter l'affaire. Ouais. Ouvrir la porte, c'est bon. Ah là là! Retravailler cette lumière aussi, serait bien. Est-ce qu'on prend plus de tissu en fait? C'est ça ma question. C'est surtout ça ma question. Je pense qu'on va dormir dans la grange. C'est une grange. Et après on va monter. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, j'avais dit que je voulais aller visiter là-bas. Alors je pense qu'on va dormir là, monter, déposer tout notre équipement là-haut. Et partir. Je pense qu'on va faire ça pour qu'on se balade un peu. Je crois que ça peut être pas mal. Mais voilà, moi je... On pourrait en faire un méga jeu de survie, honnêtement. Méga méga jeu de survie. À la limite, j'ai envie de dire, ce serait bien qu'ils arrêtent de travailler sur les épisodes. Parce que les épisodes de l'histoire, ils sont bien, hein, attention, mais... À la limite, c'est un truc que vous allez jouer une fois, vous allez pas le refaire. Donc, mettez tout dans la survie et faites un truc énorme. Pour moi, je dirais. Genre, comme j'ai dit, le fait de trouver des gens encore vivants, de pouvoir échanger des objets avec eux et tout ça, ce serait vraiment, vraiment cool. C'est quoi, ça? C'est du cru. Okay. Un petit système aussi pour peut-être rafistoler certains murs de maison et tout ça. Il y a plein de petites choses comme ça qu'il pourrait faire. Pourquoi c'est mieux éclairé ici que la maison? Vous pouvez m'expliquer? Pourquoi là on voit? Pourquoi la maison on voit strictement rien? Alors, charbon, baril. Ok. Ouais, on n'avait rien laissé de toute façon ici. Donc on va dormir. On va boire un thé. Ça. Ah, très bien. Je sais pas si on va faire la nuit entière, je pense pas. Bah de toute façon, si il fait beau, on sort. Enfin, on monte, hein, c'est tout. On va pas attendre, on n'a pas besoin d'attendre. Ah, c'est bon, on y va. J'ai l'impression qu'on a un peu de chance, on a un bon temps. Donc on va y aller. Pourquoi j'ai pas fermé ma bouche, moi? Pourquoi j'ai pas fermé ma bouche? Honnêtement, il fait pas extrêmement froid. On pourrait monter sans problème, mais... Pff, non, avec ce brouillard, je vais pas le faire. Honnêtement, avec ce brouillard, je le fais pas. Parce que ça va être trop dangereux. Parce qu'il faut bifurquer pendant qu'on monte et tout ça. Non, on va pas faire ça. Pas grand chose à faire. Pas grand chose à faire à part attendre. Pas quoi faire donc. De toute façon, il y a vraiment rien à faire. Hein. C'est là, j'avoue qu'il y a rien à faire. Je vais pas allumer un feu pour pouvoir tricoter ou des trucs comme ça. On va pas allumer un feu juste pour ça. Juste passer un peu le temps. Maintenant, on va dormir. Et on est bon. Oh mon dieu, je déteste cet endroit, mon dieu de merde.
Je déteste cet endroit. Je déteste cet endroit. C'est horrible. C'est horrible d'être ici. Non, non, non. On est bloqué. Hop, du coup, on va... Ben, on va lire, du coup. Est-ce qu'on peut lire? On a peut-être pas pris deux... Parce que ouais, la soif. C'est bien ce que je pensais. Donc on s'est fait avoir de genre 50 minutes à peu près. Très bien. T'es sérieux là? Attends, il y avait des boyaux. Alors, lapin, lapin, lapin. 100%, 98%. Bon. On va aller voir pour la visibilité. Si la visibilité est pas pourrie, moi ça me dérange pas trop d'avancer dans le brouillard, dans le blizzard, mais. Si c'est que du vent, ça va. Mais si c'est complètement blizzard. Ouais, non, mais laisse tomber là. Test. Attendez. On a pris le... Yes. Je sens que c'est une connerie, hein. Honnêtement, je sens que c'est une connerie. Retourne à la grange. Je sais pas où on va. Oh putain. Attendez. Pouvoir monter là? On va sûrement se péter une ch... Non, on peut pas monter. Je
Je crois que c'est là où il faut monter. Je pense reconnaître un peu. Là, il y a la route normalement de ce côté-là, donc ça doit être là-haut. Faut aller un peu plus loin. Ça se calme un peu. Oui, c'est... Oui, c'est bon. Faut juste... Attends, j'ai envie de dire, je suis pas sûr. En fait. Faut vraiment aller aussi loin. La route de ce côté, je crois que c'est là. T'as soif ? Ouais, c'est sûr, ces hauteurs là. Bizarre qu'on voyait pas encore là. Eh putain. Qu'on voyait pas la tour encore. Oui, je me rappelle, là-bas il y a la route et tout ça, et nous on était passé par là. Je me rappelle qu'on s'était même pété tous les membres. En descendant. Eh bien, elle s'est foulée le poignet. C'est vrai que je pourrais passer par là en fait, hein, au lieu de longer la... longer ça. Oh putain. je déteste ce jeu. Honnêtement, je serais pas contre qu'il l'enlève, ce truc-là, ce système-là. C'est pas vraiment intéressant. Ça change pas grand-chose, honnêtement. Ou alors, comme on en avait parlé plusieurs fois, le fait que ça soit moins présent, en fait, le fait de se fouler le poignet, la cheville et tout ça. À la limite, je préférais une mécanique où notre perso tombe. Genre, par exemple, si on va trop vite dans une descente, en fait, il y a un risque que le personnage commence à trébucher, en fait, et commence à tomber. Et là, quand on tombe, en fait, on se fait mal. On se déchire les vêtements et tout ça, quoi. Mais qu'il y ait un peu une mécanique comme ça, un peu dynamique, et c'est un peu nous qui la dirigeons. Genre, par exemple, si on commence à vraiment à sprinter en descente, notre perso commence à tituber, enfin on voit qu'il va genre droite, gauche et tout ça. Genre un indicateur, voilà, qui est un indicateur. Et après, bah, c'est à nous de ralentir, voilà quoi. Donc ça serait... C'est le joueur quoi, qui va déclencher bah, les problèmes ou pas. Donc ça serait plus intéressant que d'avoir ça qui est complètement aléatoire honnêtement. Après vous allez me dire, oui mais bon là j'ai 50 kilos sur le dos, oui. Je suis d'accord. Qu'est-ce que... j'ai 50 kilos sur le dos, oui. C'est quoi ce bruit? Oh putain. Ah vache. Mais ça arrive même quand vous avez 20 kilos, hein. Donc... Donc ça change strictement rien. Donc ça change strictement rien. C'est...
c'est embêtant. Ce système n'aide en rien en fait, ça n'apporte rien. Surtout que pour enlever une fracture, il suffit juste d'un bandage. Donc c'est pas difficile quoi. À la limite, s'il fallait trouver des attelles et tout ça, ça pourrait être plus intéressant. Mais bon, c'est des idées comme ça que je balance quand on fait pas grand chose, quand on fait que avancer. Je crois pas qu'il y ait quelque chose. Là, je peux pas vraiment me défendre. Le fait de longer comme ça les descentes et tout ça, on peut toujours le faire. Vous voyez ? Moi, j'aime bien quand des mécaniques, en fait, rajoutent quelque chose dans le jeu. Et pas que ça soit là juste pour être là, pour faire beau. Moi, je veux qu'il y ait un gameplay par rapport à ça. Je veux qu'il y ait une raison. Colline au signal. Je me rappelle qu'on avait tué l'ours. On avait récupéré la peau de l'ours. Si fort, on a une peau de l'ours à l'intérieur, non? On a l'eau, on a de la viande. C'est parfait. Enfin, le corps, il doit plus être là. Hein, c'est... Il y a trop de joueurs qui sont passés. Donc... Parfait. Ouf. Parfait. On va pouvoir se reposer, se remettre un peu d'aplomb. Et surtout... et après on ira sur le côté, là, comme j'ai dit, la petite maison. Alors, on va voir ce qu'il y a un peu dedans. Peignoir séché. Oh la vache, on a tout ça. Alors, combien de temps il faudrait pour réparer 88%, on va pas réparer. 88% on va pas réparer. Par contre, ce qu'on pourrait réparer, c'est le sac de couchage. C'est le sac de couchage. À peine 33 minutes? Putain, c'est rapide. Fourrure noire, c'est 1 kg. Est-ce que ça vaut le coup de réparer ça maintenant? Ou alors de se trimballer la peau d'ours? Je pense que c'est mieux de réparer ça maintenant. Je pense. Bon, après, il y a tous les bouts de bois. On fait quoi avec tout ça, là? Oh la vache. On va tout prendre. Je sais pas quoi faire. Faut qu'on jette ça. Bon, déjà, de toute façon, il faut qu'on se repose parce qu'on a la douleur et tout. Donc, on va devoir passer la nuit ici.
Alors je sais pas si on aura le temps vraiment d'y aller à ce petit endroit là, c'est pas très très loin. Mais bon, vu qu'on est mal en point et qu'on doit passer la nuit. Donc ça aussi c'est... Okay. C'est pour ça que les bouteilles elles étaient loin les unes des autres. Pas besoin de faire du feu, ça c'est bien, parce qu'on a de, on a encore à manger et à boire. Alors, vu qu'il fait jour, on va rafistoler notre sac de couchage, je pense. Je pense qu'on va faire ça. Après, est-ce que c'est vraiment aussi rapide que ça pour rafistoler ça? Je suis étonné, moi. 33 minutes. À la limite, 33 minutes, on le fait quand on part. On n'a qu'à le faire quand on part, parce que là, ça sera... C'est vite fait, quoi. Donc, on va laisser ça là pour le moment. Et on le fera quand on partira de cet endroit. Ouais, on fera comme ça. Par contre, pour les bois, je sais pas quoi faire. Je crois que c'est 0,20. Il faudrait que... Il faudrait qu'on fasse des fûts de flèches, en fait. Qu'on transforme tout en fûts de flèches. Ça serait vraiment pratique. On a déjà quoi? Une cinquantaine, je crois, non? 52 fûts de flèches. Bon, on n'a pas besoin de tout faire, mais... Alors, on va se mettre là. On va déposer tout plein de trucs. Alors, ça... kilos? C'est quoi qui est aussi lourd? Après, on a beaucoup de petites choses. Pourquoi on a 45 kilos? Les fûts de flèche? 2 kilos de fûts de flèche? On a 9 flèches sur nous. Ça fait à peu près 4 kilos. Transporter combien de 30 kilos. Okay. Ouais, parce que ça va être relou en fait sur le sol. Oh, t'arrêtes de te plaindre. On a des casiers, on va en profiter. On va en profiter. Comme ça nous évitera de devoir prendre les choses sur le sol, parce que c'est relou en fait de prendre des choses sur le sol. Ah, déjà c'est mieux. Très bien. Ça aussi. Parce que quand on va descendre pour aller à l'endroit là, on ira comme ça vite en fait, directement avancé. Voilà, 38 kilos, c'est mieux. C'est un tout petit peu mieux. Bon, du coup, on va pas coudre, donc on va pas faire le sac de couchage maintenant. On va pas... Ouais, non, comme j'ai dit, vu que c'est 33 minutes, honnêtement, c'est super vite. Donc on va pas le faire maintenant. Si c'était genre une heure, etc., oui. Du coup, est-ce qu'on dort maintenant ou pas? Non, il fait encore jour. Ce qu'on va faire, c'est que... on va travailler sur ça. Et on va faire des fûts de flèches. Et une fois qu'il fera nuit, on dormira. Ça sera déjà moins lourd à transporter.
ça sera déjà mieux. Ah, douleur, c'est bien. Mais je crois qu'il faut dormir quand même, hein, pour... Ouais, il faut du repos pour les chevilles. Donc ça, ça sera rafistolé quand on dormira. Ah, très bien. On va sûrement encore avoir le mal de l'enfermement. Mais ça devrait passer. Très bien. Ça, c'est parce qu'elle commence à être fatiguée. Après, au-dessus du micro-ondes aussi, il y en avait une. Ah, il va faire nuit. Ah, fait chier. Je me suis perdu. Non! Je me suis perdu. Je crois que je me suis perdu dans la salle. Je sais pas où est le lit. Non. Ça va être comique. Quitter le cabaret. On va sortir et re-rentrer, comme ça on sera pile tout droit et après on faudra se déplacer sur la droite. Oh, Dieu. Est-ce qu'on a besoin, ouais, on a besoin encore d'un steak. C'est bien de pouvoir se déplacer vite hein, quand on est pas en surpoids, la vache. Ça change la vie. Ok, on est tout droit. Donc il faut aller sur la droite. Ah non, lampe pour décomposer. Je crois que je vais devoir craquer une allumette. Ah, oh là là! Attends. Ça c'est une étage. Vous avez... Ça c'est la chambre. Vous avez déjà fait ça? Là c'est... Là c'est 1000 de cuit au moins. Ah le lit ils sont là. Hop là. Ça c'est au moins 1000 de cuit. Vous voyez? Vous apprenez tout le temps des choses nouvelles dans mes vidéos. Tout le temps. Il n'y en a pas une où vous apprenez rien, ok? On apprend tout le temps des nouvelles choses. C'était tellement parfait ce truc. Ah, très bien. On va dormir. Ah oui, non, le mal de l'enfermement, il a pas baissé. Oh la vache. Ah, on risque de l'avoir, par contre, du coup. Ah. C'est pas grave, on se débrouillera avec. C'est pas grave. On dormira dehors, s'il faut. Oh, mal de l'enfermement. Du coup, est-ce qu'on a eu le temps de... Est-ce qu'on a eu le temps de... Ouais, on est en pleine forme, ça va. Ok, donc on va sortir, on va partir dans la petite cabane. Et ça va être notre fin d'épisode, je pense. Notre dernière petite aventure pour cet épisode. On a 37 kilos, 37 kilos c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même beaucoup. Attends, on va faire ça parce que je vois rien. Oh putain. Attendez.
il faut attendre quelques secondes. C'est quand il y a les sortes de bras en fait du soleil qui sont au-dessus de la ligne. Et là vous pouvez. C'est considéré comme la journée. Vous savez aussi qu'ils pourraient rajouter un système de luxe. C'est les luxes la mesure pour la lumière, c'est en luxe, je crois. J'ai un trou. Il pourrait faire ça aussi par rapport à la lumière. Genre, il faudra une certaine puissance lumineuse pour pouvoir travailler. Genre, pour déclarer comme quoi est-ce que c'est visible ou pas pour le personnage, pour notre personnage. Il y a plein de choses qu'il pourrait faire hein, par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça pourrait être peut-être plus intéressant. Par contre, c'est vrai qu'on voit rien, c'est chiant. On va refaire encore la même chose, et ça me saoule. Hop là, voilà. J'ai pas envie de craquer une allumette pour ça, c'est chiant. Ah oui, non, attendez. Pardon. J'ai oublié, je voulais déposer encore des objets. Je voudrais être à 35 kilos au moins. Parce que j'ai vu qu'on avait des choses pour faire des balles. Alors, c'est celui-là. Alors, on va déposer ce que j'ai pas déposé. Fût de flèche en plus. Ça, le livre. Ça, on garde. Ok. Ce livre-là, peut-être qu'on le jettera. Enfin, on le prendra pas avec nous. On est à 36.22. Ok, c'est un peu mieux. On est bon. 36.22, c'est bien. Ok, maintenant on part. On va essayer de trouver cette truc. Cet endroit. J'en ai deux. On est plein. Il y a encore l'ours? Non, il n'y a pas l'ours quand même. Ah! Point de vue, exploser environ. J'avais complètement oublié ça. Attendez. J'avais complètement oublié ce truc-là. C'est pas l'ours. Ils sont trop bas. Ah non, c'est le cadavre qui est en dessous. Le cadavre. Non, mais par contre, on a un peu froid maintenant. Ah, c'est embêtant. On va se réchauffer et après on part. Désolé, encore une fois, c'est un faux départ. Petit faux départ. Mais bon, j'avais complètement oublié qu'on avait trouvé une photographie. On a plus de... Ça c'est pour faire des arcs. Mais on a plus de bois. Hein. Attendez. Si on a lui, on n'avait pas fini lui. Ok, très bien. Comme ça on fait ça, on se réchauffe et on est bon. J'espère qu'on va trouver l'endroit. J'espère vraiment qu'on va trouver l'endroit. Il faut passer en fait la rivière. Si on trouve la rivière, on va peut-être pouvoir se repérer. Enfin, j'espère. On va voir. Ça me stresse un peu de faire des trucs comme ça quand je sais pas exactement l'endroit. Bon, en tout cas, merci les corbeaux. C'est vrai que j'avais complètement oublié le coup de la photo. Après, on peut dessiner. On a 2-3 charbons sur nous. On aurait dû peut-être en prendre un peu plus. On va voir ça.
Alors. En fait, faut pas être trop près de... On va faire ligne droite comme ça. Faut pas être trop près de des montagnes. Faut pas être trop près de la route. Faut être au milieu. Et putain. Commence bien. Une corde. Je pourrais prendre la corde pour semer le loup, mais bon. On va le semer dans la pente. On va le semer dans la descente. Vous allez me dire que c'est normal de pouvoir descendre une pente comme ça, enneigée, à cette vitesse. Il y a des lapins, ça va. Ok, donc la chute d'eau. Mais c'est pas la chute d'eau genre contre la montagne, ça c'est la deuxième chute d'eau, en fait. C'est en deux fois. Ça je m'en rappelle, ça, de ça. Parce qu'une fois je m'étais complètement perdu ici à cause de ça. Je pensais qu'on pouvait plus aller en haut, mais en fait si. On peut dépasser ça et après ça continue encore. Donc déjà là on vient de passer la rivière. Donc en théorie quand on passe la rivière, c'est sur la droite. Donc on va voir. Donc on va un peu monter un peu plus et après on va sur la droite. On va voir si c'est là. J'espère. Je sais même pas s'il y a une cabane en fait, genre une maison. S'il faut, il y a juste un endroit pour pêcher. J'entends des corbeaux. Corbeau là, on va voir. Je dirais que c'est par là-bas. On va d'abord aller au corbeau, après on verra. Putain! Bah voilà. Chut. Ah, une grotte. On pourrait dormir là. Putain, c'est une grotte. Il y a un ours, un loup là-bas aussi. Elle est grande la... Ok, on est prêt. Oh mon dieu, comment c'est noir. C'était pas prévu. Oh la vache! Et maintenant ça redevient... C'était complètement noir, j'ai l'impression qu'on était dans le... Un trou noir quoi, sérieux. Attendez, on va peut-être dessiner. Je pense que c'est là, dans ce périmètre-là. Donc on pourrait prendre de la viande. On pourrait dormir là, surtout. Oh, il fait beau. On pourrait dormir là pour... Là, je vais voir s'il y a des choses là. Mais on pourrait dormir là, vu qu'on a là... Oh, regardez, il y a un bout de bois. Je pense que c'est là-bas. Si jamais je trouve pas, par contre, on se casse. Hein. J'ai pas envie de risquer quoi que ce soit. Okay, très bien.
Mort de ce côté. Je pense que c'est après cette montée. Si c'est pas après cette montée, je sais pas. Si jamais on trouve pas, on s'en va et on rentre. Et on dormira et puis voilà. À la limite, on pourrait dormir dans cette grotte-là. Je sais pas trop. Parce qu'on a le mal de l'enfermement. Hein. Ouais. On est à 20h. On pourrait rester là le temps que ça se qu'on se soigne. En fait. C'est quoi ça? C'est un pont? Ah, c'est juste un pont. Je vais juste prendre du bois si on doit faire... Ah, si. Yes. Ok, on a un cerf. On a des champignons, on a des lapins. Ouais, y a pas de maison. Y a pas de maison. On va prendre ça. Pourquoi pas. Ah, je l'ai pris. Réflexe de tout prendre maintenant. Ok, on va pas pouvoir rester ici. Je crois qu'en fait, il y a la grotte pas loin. Exprès pour avoir un endroit où dormir. Ouais. Je pense qu'on va aller s'abriter dans la grotte. Bon bah... Bon bah voilà. C'était fun. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Bah c'était... Ouais, c'était fun. Wow, yay. Très bien. On n'a rien trouvé. Très intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dormir dans cette grotte là ou pas? Parce qu'après je sais pas trop où dormir en fait. Parce que je voudrais bien me soigner du mal de l'enfermement. Et vu qu'on est à côté d'une grotte et on a un loup dans la grotte, ça nous permettrait de manger le loup. Je pense qu'on va faire ça. Je pense que c'est une bonne idée. Ah oui, j'aurais dû en parler pour en début de vidéo. Normalement, cette vidéo-là, cet épisode-là, sortira avant octobre de 2020. Évidemment, si vous regardez ça dans 3000 ans, bon, ça sera plus la même chose. Et pour octobre, comme l'année dernière, vu que c'est Halloween, c'est le 31. Pour octobre, on va faire que des jeux d'horreur et tout ça. Donc, et ça sera en stream. Genre à partir de 21h tous les soirs, on va faire des jeux d'horreur, je pense. Donc si jamais vous êtes tenté, vous pouvez venir. Bien sûr, les streams seront sur YouTube. Beaucoup plus simple après pour les gens s'ils veulent revoir les streams et tout. C'est vrai que j'aime bien faire ça. L'année dernière, c'est super bien passé. On l'avait fait sur Twitch. Et c'est vrai que streamer, c'est un peu compliqué, streamer.
Pas, non, j'ai pas envie de... Non, c'est connerie. C'est pas très précis, en fait. C'est pas compliqué. Mais on va dire que pour des petites chaînes comme la mienne et tout ça, il faut trouver les bons jeux et tout. Par exemple, si vous jouez à un jeu que vous aimez pas vraiment et que c'est pour, genre, surtout pour les gens, pour que les gens regardent ou quoi. Ou, par exemple, une personne vous a dit « Jouez à ça, jouez à ça. » Et vous le faites et qu'au final, vous vous retrouvez avec peu de gens et que vous passez un mauvais moment, c'est embêtant. Donc, c'est vrai que streamer, pour moi, des fois, quand c'est, vu que c'est juste une petite chaîne, il n'y a pas 500 personnes, quoi. Du coup, on va faire ça. C'est assez compliqué, mais c'est vrai que j'avoue que je m'étais très très bien amusé. On va dire qu'il y a des hauts et des bas, en fait. C'est ça, le truc. Quand vous êtes une petite chaîne, voilà. C'est qu'il y a des hauts et des bas par rapport au stream. Des fois, vous avez envie. Des fois, vous dites, ah, ça sert à rien, de toute façon, il n'y aura personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est vrai que l'année dernière, en octobre, on a fait plein de jeux. Des vieux et des nouveaux jeux. Et j'ai passé un super moment. J'étais très motivé pour streamer tout le temps, à chaque fois. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Est-ce qu'on a assez de bois ? Non, il nous faut plus de bois. J'ai beaucoup aimé. Tous les jours, j'étais très très motivé en fait pour streamer et tout. Et on a passé un très bon moment. Donc c'est vrai que je suis assez impatient en fait pour octobre. Et vu que c'est un peu une sorte de thème, du coup, attendez, il n'y avait pas... Ouais, il y avait un loup, là. S'il me faut du bois, on va prendre du bois de l'autre côté. Ah, évidemment, il y a le vent, parce que sinon, c'est pas drôle. Ouais, on va aller là. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que, du coup, ça motive et tout, parce qu'il y a un thème précis et tout. J'ai fait déjà une liste de jeux à faire. Je suis vraiment à fond là, je suis vraiment content. On va commencer par Project 05. J'ai dû aller trouver et acheter, bien sûr, une Wii U pour y jouer parce que la version de CEMU marche pas bien. Et c'est vraiment un très bon jeu, mais bon, il est bloqué sur cette console maudite que personne a, et une très mauvaise console, la Wii U, honnêtement. C'est pour ça qu'elle a fait un flop aussi, en vente, en termes de vente. Mais voilà, c'est très peu de gens en plus jouent à Project Zero et je voudrais vraiment la voir sur ma chaîne, en fait. On commencera par ça. Après, on aura Resident Evil Heartbreak, c'est sur PlayStation 2. On va avoir quoi encore ? On va faire Alien Isolation, parce que je l'ai jamais fini. Il y a plein de trucs qu'on va faire, ça va être cool. J'espère que ma connexion tiendra. Mais ouais, je suis assez motivé pour octobre, ça va être fun. Notre épisode va être méga long. Notre épisode va être méga méga long, je suis désolé. Je sais pas si je le coupe. Si jamais il fait plus d'une 1h30, je le couperai. Donc je sais pas quel épisode vous regarderez, en fait. À ce moment où je parle. On verra ça. Je vais peut-être en faire deux épisodes, parce que c'est vrai que là, ça fait beaucoup. Genre deux épisodes de 40 minutes. Très bien. J'essaye de récupérer le plus de bois possible, parce que vu qu'il fait pas froid, j'ai même envie de casser ça, mais c'est quoi, 1 heure? Je voudrais bien aller là-bas, mais il y a un... de loup. Très bien. Parce que je voudrais cuire la viande en premier. En plus, il fait soleil. On devrait faire un feu maintenant, en fait. On va faire un feu maintenant. Comme ça, je peux utiliser la loupe. Ah, et comme ça, on passe une partie de la journée, puis après, on passe la nuit. Et on devrait être soigné du... de la... du mal de l'enfermement. Si je dis pas de conneries. Yeah, ok, donc faut faire un feu à l'extérieur.
très bien. 100%. 100% en plus. J'aurais dû me m'accroupir. Aussi. Putain, ça tue! C'est énorme! C'est tout le temps 100% du coup! Putain, mais c'est trop abusé! Come on, little fire. Ah, mais t'as même plus besoin de dire ça! Hein. On aurait dû garder le fétou. J'ai pris le fétou sur moi? Non, c'est chier. On aurait dû garder le fétou. Aïe 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 aïe. Ça on va le prendre sur nous en fait. On va garder le sac de couchage sur nous parce que vu qu'il y a un loup qui traîne, comme ça peut-être qu'il aura peur de l'odeur. Alors. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'énormément de bois non plus. J'en ai pris beaucoup en fait. Alors attends, c'est 30 minutes. On va faire ça. Ah, très bien. Bah voilà, ça se passe bien. En fait, j'avais peur de... Ça, j'ai dit qu'on prenait. Je vais expliquer ma pensée une seconde. Au potable. Ok, très bien. C'est en fait, j'avais peur de... Nous, on est loup. Nous, on est à la grotte, donc ici. Il faudrait en fait aller à cette grotte là. Non, ça c'est les réseaux de grottes. Donc ça, ça compterait comme si on était dans un bâtiment, je crois. Il faudrait aller dans cette grotte ici. Pour dormir. Donc on est là, il faudrait aller là. Et j'avais peur en fait que ça soit trop loin. Mais au final, vu qu'on a un peu sprinté, on est allé vite. C'est vrai que, bah, on a... Enfin voilà, qu'on a bien avancé. Donc oui, on aurait pu aller se reposer ici aussi. Enfin, on en profite ici parce qu'on a un loup, le loup il est rentré et tout ça avec nous. Donc on en profite. Parce que là on peut rester encore une journée tranquille, sans problème. On a de l'eau, on a à manger. Alors, on est en sécurité. Mais ouais, j'avais un peu peur de me perdre, mais au final non, c'est bien passé. Parce qu'il faut qu'on dorme dans les grottes à cause de cette merde là. 15h, ça va faire quoi? 10h la nuit? Ouais, on passe la nuit, c'est bon, on est bon. C'est parfait. Ouais, on passera la nuit, on est nickel. Ça, c'est cool. On va faire ça. Est-ce qu'on peut, genre, rafistoler peut-être un vêtement ou un truc comme ça? Mince. Très bien. Là, on prend un peu le niveau. C'est vrai qu'on a le bois de chauffage aussi. Ça. Oh, on est nickel, je suis content.
content. J'ai un peu peur. Avec le mal de l'enfermement, je stresse toujours. Enfin, c'est pas que je stresse, mais... On va dire à la limite que j'exagère la gravité, c'est vrai. Parce qu'on m'avait laissé des commentaires en me disant... Ah, mais au final, c'est pas super compliqué. Tu vas dans une grotte, tu dors une journée, et puis voilà. Puis basta. C'est vrai que c'est très vite réglé. C'est, honnêtement, c'est très vite réglé. C'est pas très très grave. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'en fais un peu une, toute une caisse. Mais c'est surtout le début. On va dire qu'il peut être dangereux. Est-ce qu'on fait un peu plus d'eau? On va faire un peu plus d'eau et puis au pire, on la laissera là. Ça nous coûte rien de toute façon de faire de l'eau. On a encore 1h30 de feu. Est-ce qu'on met le charbon, le bois? Pourquoi pas, 3 heures de feu. Ouais, mais oui, j'avoue que j'en fais souvent une caisse. Mais au final, c'est pas extrêmement dangereux. Et encore une fois, ce que je voulais dire, voilà, c'est que... Surtout à notre niveau, quoi. Avec genre le feu niveau 5, la connaissance des lieux, le sac de couchage, les gros vêtements. On peut dormir plus ou moins. Même, on n'a même pas besoin de grotte, quoi, à la limite, j'ai envie de dire. Donc, c'est vrai que c'est moins dangereux. Mince, j'ai pas regardé l'eau. Et on a perdu l'eau. Bien joué. Poup. Une heure. Encore une heure. On va profiter du feu en fait au maximum. Bien 47 minutes. Par contre, je voudrais bien redessiner avant qu'il fasse nuit. Comme ça, ça notera sur. Quoique, non, en fait, on voit rien du tout. Nourriture et boisson. Parce que je pensais que le message c'était parce qu'on était en intérieur. Et on... Ouais, en fait non, c'est parce que c'est faible visibilité. Bon, c'est pas grave. On a gaspillé ça. On a gaspillé, c'est bien. Gaspillé de la peinture. On n'a rien d'autre à faire. Est-ce qu'on pourrait réparer des choses? On est à combien? On est à 11h. Très bien. Parce qu'on va dormir un peu plus... 10h à peu près. Et le temps que bon, on commence à dormir et qu'on se lève et tout ça, ça sera passé. Donc on sera complètement guéri. Ça, on n'a pas besoin. On peut pas le lire, ça. Oui, voilà. Bien ce que je pensais. Encore 16 minutes. Bon ben voilà, ce sera la fin de notre épisode. Enfin peut-être, comme j'ai dit, peut-être que j'ai coupé en deux épisodes. Mais en tout cas, ce sera la fin de notre aventure pour le moment. Voilà, on est à fond. Là, on va pouvoir récupérer pas mal de vie. On va pouvoir bien dormir. On va attendre que ça finisse. Quoique non, on peut même dormir maintenant, honnêtement. Et c'est là qu'on n'a pas le sac de couchage. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Et on récupérera... Pff, je crois rien. Peut-être le bois à la limite. Mais on va laisser le reste.
et on sera nickel. Donc on va dormir. Et on a fini avec cet endroit. Donc la prochaine fois, on retourne donc ici pour faire le plein de tout l'équipement qu'on doit prendre. Et après, on part pour... on retourne au lac Mystère, comme d'habitude. On retourne vraiment chez nous. Alors, on va devoir repasser par la rivière, je crois. On retourne au lac Mystère. On se posera un peu, comme j'ai dit, on va faire une petite pause aussi au lac Mystère et tout tranquille. Et après, on enchaînera sur la crique lugubre par le ravin. Voilà, ce serait très 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 bien comme, comme scénario. Voilà. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé. Ça fait toujours un plaisir de voir qu'il y a pas mal de gens qui suivent toujours et il y a toujours des commentaires et tout ça. Merci infiniment. Passe un très très bon week-end, très bonne journée, très bonne soirée. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et à la prochaine. Ciao, ciao.